Donc si jamais avant, à l'époque, tu connaissais rien sur les meufs, bon, c'est pas trop grave. Mais aujourd'hui, si tu connais pas la nature féminine, si t'es pas red pill, t'es pas conscient de ce qui se passe, que tout le monde est en train de te mentir autour de toi, ah, cousin, tu vas finir avec une Jada. Mais tu sais ce qui se passe quand tu finis avec une Jada. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, hein, mets un petit j'aime, oh, tu connais. De toute façon tu vas aimer la vidéo, pourquoi attendre? Ok, donc tu vas mettre un petit j'aime, hein, ça permet de pouvoir diffuser les gars un maximum hein, pour que d'autres hommes puissent voir la vidéo. C'est ça l'idée les gars, gardez pas vos trucs que pour vous. Ah j'ai l'info mais je la partage à personne. Comme ça j'aurai toutes les meufs. Calme-toi Gérard. Ok, donc mets un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa scène pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, revitaliser aussi le... Ça c'est nouveau ça. Revitaliser le taux de testostérone parce qu'on sait plus qui est qui. Homme, femme, on sait pas. Ah, bon. Ça t'es quoi toi? Homme? Ah non, ah, c'est fini ça. Ça c'est... Ah c'est le progrès. Ah d'accord. J'ai pas compris. Donc ça c'est aussi ça. Et faire de l'oseille évidemment. Parce que si t'as pas d'oseille, hein, t'es personne. Voilà. Donc alors, tu as mon étude de cas qui est gratuite offerte. Où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert. Pourquoi les gens bégayent? On ne sait pas. J'ai des formations payantes aussi. Tu bégayes à ce moment-là, encore à la limite, je comprends. Mais là c'est gratuit. Les gens sont bizarres, hein. Les gens sont bizarres, ils comprennent pas pourquoi je suis pauvre. J'ai pas d'argent, c'est bizarre. C'est à cause de Macron, non? Bon, alors du coup, et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, qui est 100% financée. C'est ça qui t'intéresse, que le reste, j'ai l'impression que je tombe à l'air. Mais ça, c'est 100% financé, ça veut dire que tu n'as pas besoin de sortir ta carte bleue, tu travailles et tu cotises pour ça. J'ai envie de te dire pourquoi pas en profiter. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ma formation Pirate Marketing? Toutes les stratégies qui vont te permettre de pouvoir atteindre au moins les 5K par mois. Et en plus, je fais des mises à jour, ça c'est cadeau les gars. En plus de tout ce qu'il y a d'ailleurs dans la formation, ça veut dire tout ce qu'il y a. Ok, tu cliques dans le lien dans la description, tu verras, il y a le descriptif. Et en plus de ça, qui n'est pas encore dans le descriptif parce que je n'ai pas encore mis à jour, il va y avoir des modules sur le comment faire de l'argent avec les cryptos, sur l'e-commerce aussi, comment faire de l'argent avec l'e-commerce. Tu vas pouvoir faire tes premiers euros grâce à ça. Et peut-être l'immobilier, je suis en négociation les gars. Okay, pour que les gars puissent intervenir et puis le mettre partager avec tous les gens qui sont dans le Pirate Marketing. Donc tu profiteras de tout ça si jamais tu es déjà dans le Pirate Marketing. Évidemment, la mise à jour sera gratuite. Donc voilà les gars, tout ce que tu as à faire c'est cliquer. Si tu as des questions sur le financement, ouais c'est comment le financement là, oh là, on comprend rien. Tu cliques sur le lien dans la description, tu prends rendez-vous. Ok, tu mets ton email, ton numéro, boum boum, tu prends rendez-vous et nous on te rappelle. Pas compliqué. Et tu pourras poser toutes tes questions et on va faire le dossier avec toi. Boum, et on donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, je t'arrête tout de suite. Crois pas que tu vas appuyer sur un bouton. Crois pas, dès que tu vas te souscrire à Pirate Marketing, il y a 5K qui va tomber sur ton compte. Tu t'es fourvoyé complètement, mon gars. Non, non, il va falloir charbonner. J'ai déjà essayé de chercher, les gars. Alors, il y a des raccourcis là. Non, ça fait des années que je cherche, j'ai pas trouvé. Donc, je me suis concentré sur faire un truc qui fonctionne, les gars. Ce qu'on veut, c'est faire comme il disait l'autre là, comment il s'appelle encore? Je puis là. Rick Ross. Et comme il disait, nous, on veut pas faire un move fast. Hein, on veut pas faire un truc rapide. On veut faire un move correct. Alors, si ça doit prendre un an, ça prend un an. Si ça doit prendre 10 ans, ça prend 10 ans. Mais au moins, juste, on veut pas perdre notre temps. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Rick Ross. Et je valide. Oh, oh, oh. Ok? C'est ce que je veux dire ou pas? Bref. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. En quartier des pyramides, les gars, j'ai été électricien de part et d'autre, chez les pompiers, à EDF, après j'ai fait infirmier. On a un petit peu tout fait, oui, voilà, jusqu'à temps de réaliser que c'était éclaté tout ça et que c'était mieux d'être entrepreneur et surtout en ligne. J'ai envie de te dire, cousin, j'ai passé la pandémie normale. Oh, il y a une pandémie ici? Ça n'a rien changé pour moi. C'était de la normale. Bon, les gars, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Quel devrait être le principal focus de l'homme? Ben, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Hein. Donc là, on va faire comme si Gérard me pose la question. Alors Gérard, ça va? Ça va. Bien. Oui, alors pose la question Gérard. Oui, bonjour Jonathan. Alors, j'avais une question, je voulais savoir sur quoi je dois me focus? Sur les femmes ou sur le business? Très bonne question Gérard, il n'y a pas de question stupide. Ok, toutes les questions sont bonnes à poser et tu as bien fait de la poser Gérard. J'espère que ça va t'aider et que ça aidera tous tes cousins et toute ta famille aussi et peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo. Alors,
Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on va se focus sur les femmes ou est-ce qu'on va se focus sur le business? Alors je dirais, les gars, à mon humble avis, hein, je te partage, tu me diras après ce que tu en penses dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça, c'est libre, les gars. Si tu insultes personne, évidemment, ceux qui insultent les gens, hop, j'efface. Ça, c'est sûr, ça. Donc du coup, alors, moi, ce que je dirais, c'est que non, avant de parler même de focus, je te dirais, il faut que tu t'éduques sur les deux en même temps. Il faut que tu t'éduques sur les deux en même temps. Logique, il faut que tu t'éduques sur le business, ok? Les gars qui sont là dans la vie comme ça, ils marchent comme ça, ils sont salariés toute leur life, c'est cool. Si jamais tu quittes ton taf, tes salariés, il n'y a pas de bon et de mauvais. On ne va pas faire de guerre, il y a les salariés, les entrepreneurs. Ah, c'est cool. Tu vois, je veux dire, si tu aimes bien. Mais bon, si tu veux faire du ZEO, frérot, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à faire du ZEO, ok? Donc, il faut que tu t'éduques là-dessus. C'est-à-dire, il faut que tu t'éduques, il faut que tu apprennes, il faut que tu te formes. Hein, tout à l'heure, je t'ai proposé une étude de cas. C'est une façon de te former, d'avoir de nouvelles connaissances. Hein. La personne qui a des résultats que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'elle connaît quelque chose que toi, tu ne sais pas. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de magie. Ok? Donc, du coup, comment ça se fait que tu ne l'as pas prise? Bref, fermons la parenthèse. Non, mais je te dis ça, je te dis rien. Bah, bon. Donc, du coup, si tu veux faire le ZEO, bah, faut se former. Donc, du coup, formation en ligne, etc. Et après, une fois que tu as la connaissance, tu passes à l'action, hein, pour pouvoir expérimenter sur le terre-terre, ok? Et ajuster, pivoter en fonction de ton expérience, ok? Bah, c'est la même chose avec les meufs. Surtout de nos jours, les gars, vous savez, si tu connais pas la nature féminine, les gars, mais c'est vous êtes foutus, les gars. Là, avant ça allait, j'ai fait une vidéo là-dessus où je disais ouais pourquoi ça va être plus difficile pour les hommes. Et ouais, donc va la voir si jamais tu l'as pas encore vu, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Donc si jamais avant à l'époque tu connaissais rien sur les meufs, bon c'est pas trop grave. Mais aujourd'hui si tu connais pas la nature féminine, si t'es pas red pill, t'es pas conscient de ce qui se passe, que tout le monde est en train de te mentir autour de toi, ah cousin, tu vas finir avec une Jada. Mais tu sais ce qui se passe quand tu finis avec une Jada? Tu sais pas? Eh ben. Tu devrais le savoir, ça va mal se passer, dans tous les cas, ça va pas être bon, ça va pas être bon, ok? Tu vas avoir des enfants, on sait plus qui est-ce qui est qui, bah alors du coup les enfants c'est comment, c'est des hommes ou des femmes, on sait pas, donc on sait plus. Donc du coup, on parle que d'énergie maintenant, oh c'est l'énergie, mais quand même tu peux avoir des enfants toi, tu as l'impression que t'es plus une femme, non? Non, énergie, énergie masculine. Bref, voilà, je m'éloigne. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Donc, ce que je te disais, c'est que du coup, oui, la nature féminine. En plus, les meufs vont se dire, mais pourquoi les gars, ils veulent absolument connaître la nature féminine? Bah, parce que les filles, nous, c'est pas pareil. Hein. Vous êtes nés, juste vous êtes des femmes, quoi. Vous êtes nés, hop, vous avez l'attention. Vous avez l'attention des hommes. Voilà, on vous envoie des DM, on vous accoste. En tout cas, respectez les gens qui vous accostent, les filles. Moi, je ne te parle pas de ceux qui ne le font pas bien, mais ceux qui le font avec gentlemanité. Ça n'existe pas le mot, calme-toi Gérard, je suis au courant. Ceux qui le font avec gentilhomité, les filles, il faut. Sachez que nous, quand on voit un gars qui fait ça, on fait. Bonhomme lui. Waouh. C'est pas tout le monde qui fait ça, hein. C'est très faible pourcentage des filles, les gars qui viennent comme ça avec Akos. Non, c'est pas comme ça, hein. Donc du coup, vous les filles, vous avez juste le droit là. Hop. Après on parle d'égalité, hein. On parle de sexisme. La vie est sexisme. Bref. Autre parenthèse fermée. Hein? Vous êtes des femmes, boum. Nous, on est des hommes. Hey! Ah non? Ah non? Rien à voir, ah d'accord. Ah, personne ne nous calcule. Ah d'accord. Bon. Parce que nous, on doit devenir des gens. On doit accomplir des choses dans notre vie pour pouvoir, du coup, attirer l'attention des femmes. C'est pas genre, t'es là, tu fais rien de ta life et tu attires les femmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. T'es obligé de faire des choses dans ta life. Si t'accomplis rien, les meufs te calculent pas. La vie nous punit direct en tant qu'homme. Si tu fais rien de ta life, eh ben tu n'as pas de meuf. Et voilà, c'est au courant. Mais toi, tu es au courant, Gérard. Je t'apprends rien. Ça, c'est pour les petites femmes qui passent. J'ai certaines femmes, d'ailleurs, de plus en plus nombreuses, qui suivent la vidéo. Bienvenue à vous, les filles. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Voilà. Hein, voilà, te dire. Donc, du coup, il faut que tu te dis aussi sur la nature féminine. Donc, et placement de produit, les gars, il y a Zeus. Formation, il y a tous les secrets de la nature féminine, les gars. Alors, t'as tout, cousin. Tonton, t'as tout. De toute façon, tu vas voir en description. Si tu veux savoir comment gérer les. Zeus, si jamais c'est pas en description, c'est que c'est pas encore sorti. Bon, ben, ça, c'est. Ben, tu attends.
Voilà, tu reviens de temps en temps pour voir. Mais j'essaierai d'y penser. En tout cas, mets-moi en commentaire si j'oublie. J'essaierai d'y penser de mettre le lien au cas où si la vidéo est sortie après, non, avant que Zeus sorte. Voilà. Bref, donc du coup, ouais, ben les gars, ouais. Et puis après, va falloir dater, c'est la même chose. Hein. C'est le business, j'ai dit, il faut te former, et puis après, il faut passer à l'action, et puis après, apprendre des erreurs, expérience, etc., progresser, puis rien lâcher, persévérer. Ben là, ça va être pareil pour les femmes. Hein. Les femmes, bah, du coup, il va falloir commencer à dater. Il faut avoir conscience de la nature féminine, red pill aware, ça c'est sûr. Et après, dater pour connaître la femme. Tu vois, apprendre de ses erreurs, etc. Mais déjà, quand tu vas connaître la nature féminine, tu vas sortir les trucs vénères. Tu vas faire. Non, Géraldine. Ah, non. Tu vas pas me la faire, Géraldine. Non, 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 non. Tu vois, tu vas voir les trucs. Tu vas être conscient. En mode Matrix. Voilà. Comme quand Neo, tu vois, il voit tous les chiffres. Il voit la batterie, il voit tout. Voilà, c'est comme ça, c'est ça qui est fou. Ok, donc du coup, il faut s'éduquer sur tout. Hein, il faut s'éduquer sur le business, sur la nature féminine, sur fitness, apprendre, y aller, et puis faire aussi. Apprendre et passer à l'action, c'est ce que j'ai dit. Ok, donc du coup, en fait, il faut tout faire en même temps, il faut s'éduquer sur tout. Et pour répondre à la question, évidemment, par contre, qu'il ne faut pas mettre ton focus sur la femme. En aucun cas, en aucun cas. Hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, pourquoi l'homme doit rester célibataire ou pourquoi les femmes aiment les hommes égoïstes, etc. D'ailleurs, qui a bien fonctionné cette vidéo. Faut te focus sur toi. Hein, comme je disais tout à l'heure sur la vidéo là, les femmes, si jamais tu deviens personne, les femmes ne te calculent pas. Okay, on part du principe que tu veux gérer des meufs qui sont sur des ID modèles. Okay, toujours le même principe. Okay. Après, tu fais ce que tu veux, je veux dire, mais il faut bien que je donne une direction dans la vidéo. Donc, du coup, il faut que tu deviennes quelqu'un. C'est pas compliqué. Et pour ça, il faut que tu te focuses sur toi. Ok, donc du coup, focus sur toi, boum, 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 tu deviens une meilleure version de toi-même, tu dates en même temps, tu apprends la nature féminine, tu dates, tu vas à la salle de sport, tu prends soin de ton corps et ton forme, etc. Boum, businessment parlant aussi, et puis tu vas commencer à devenir une meilleure version de toi-même. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu ne vas pas dater les mêmes meufs que tu datais il y a un an. Tu vas voir que le niveau, il a augmenté. Tu étais peut-être à des 5, boum, tu es passé à 6. Tu es à des 6, des 7, boum, boum, et ainsi de suite. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas pouvoir augmenter. Okay, parce que les caractéristiques qui font qu'un homme qui accomplit des choses en fait, dans sa vie, c'est les caractéristiques par lesquelles les femmes sont attirées. Hein, leadership, faire de l'oseille, être un alpha, avoir du statut. Bon. Okay, donc les gars, ce n'est pas compliqué. Donc pour répondre à la question, il faut s'éduquer sur tout en même temps et faire les choses pour devenir une nouvelle version de toi-même et se focus évidemment uniquement sur toi et mais en même temps tu peux dater quand même des meufs tu vois mais c'est pas elle le focus c'est toi donc je pense que j'ai fait le tour donc c'est tout pour cette vidéo les gars j'espère mettre un j'aime si jamais ta vidéo et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo tu es libre d'accéder Pirate Marketing étude de cas si jamais tu l'as pas encore prise. On sait pas pourquoi, c'est quoi ton problème. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.